ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Ça a été un livre vraiment coup de cœur pour moi, je l'ai adoré. Donc je l'ai lu au mois d'août. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. Vous souffrez probablement d'une forte de routinite aiguë. Une quoi ? Camille, 38 ans, écart à tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Donc c'est une jeune femme qui a une panne de voiture. Elle sonne dans une maison et elle tombe sur Claude. Voilà, sur Claude et sa femme. Elle lui demande simplement si elle peut téléphoner car son portable n'a plus de batterie pour appeler une dépanneuse. Et donc ensuite, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas à joindre son mari. Et là, elle lui dit simplement, c'est pas grave, rien ne va, etc. Et il lui donne sa carte en lui disant qu'il est routinologue. Voilà, donc elle garde sa carte de côté. Elle le rappelle après pour lui dire que ça va, etc. Enfin, pour le remercier surtout. Et puis, quelques temps plus tard, elle se sent pas très bien, elle voudrait perdre un petit peu de poids. C'est un petit peu la routine avec son mari, avec son fils. Elle n'arrive plus trop à, comment dire, avoir de bons contacts avec son fils, qui est assez jeune. Donc, elle prend l'idée de le rappeler et de suivre une sorte, comme une sorte de coach. C'est une sorte de coach dans cette histoire-ci. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été un coup de cœur. Hein. Ça fait un peu réfléchir à relativiser les choses, etc. Donc, il fait à peu près 250 pages. Hein. C'est un livre vraiment très, très bien. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un véritable coup de cœur. J'ai lu assez rapidement, d'ailleurs. Je vous le conseille vraiment si vous voulez le lire. Il y a des choses amusantes, on voit le changement au fur et à mesure. Elle change de métier, ça la booste à faire d'autres choses. Voilà. Ensuite, j'avais acheté deux livres cet été de Cathy Cassidy. Vous savez, ce sont des romans jeunesse. C'est l'auteur des Filles au chocolat. Voilà, donc il y avait Rose Givrée, je vous lis la quatrième de couverture. Je m'appelle Jude. J'ai mon âge 13 ans, je suis discrète et solitaire, mon style jean, basket, je n'aime pas l'excentricité de ma famille. Je déteste qu'un garçon Carter veuille entrer dans ma vie. Mon problème, ma mère perd les pédales et je vais avoir besoin d'aide. Donc c'est une jeune fille de 13 ans, donc une adolescente de 13 ans, qui traîne donc en jean, basket. Et elle a une famille un petit peu particulière, son père, et donc il va se remarier justement dans l'histoire. Il fait des imitations de Elvis Presley, vous savez, il fait, comment on appelle ça, il est sosie d'Elvis Presley. Donc à un moment, il se pointe à une réunion parents, comment on appelle ça, parents, instituteurs parents plutôt, professeur parent, et donc il arrive comme ceci, et il y a un jeune homme qui s'appelle Carter, qu'elle le trouve pas mal, quoi. Elle aimerait bien sortir avec lui, comme on dit, et elle a un petit peu honte de sa famille, entre sa grand-mère qui est un petit peu décalée, un peu habillée en mode décalée, etc., son père qu'elle choisit de Elvis Presley, qui est vraiment vêtu justement tout de suite après. Donc ses parents sont divorcés, j'ai oublié de vous le dire, parce que son père va se remarier, sa mère est toute seule, elle déprime, voilà, donc entre une mère qui déprime, son père et qui est alcoolique, c'est dans celui-ci qu'elle est alcoolique. Voilà, donc sa mère sombre dans l'alcool, donc elle a une mère alcoolique, son père est un petit peu... elle n'a pas vraiment de lui, mais bon, un petit peu quand même, hein, parce qu'il se pointe donc, je ne vais pas y arriver,
pour donc la réunion parents-professeurs, etc. C'est en début d'année. Donc elle n'a pas trop envie qu'on voie son père parce que déjà quand il arrive, donc le costume est dispersé, etc. Donc tout de suite c'est assez visible. Donc voilà, donc ça démarre comme ça et j'ai plutôt bien aimé cette petite histoire jeunesse assez fluide, lecture assez fluide. Voilà, donc il y a plutôt des sentiments entre les ados. Voilà, et comment dire, après, elle va assister au mariage de son père. Et sa mère, entre-temps, donc elle sombre dans l'alcool aussi, donc elle perd son travail. Sa grand-mère décède, mais là je suis en train de vous spoiler le livre. Donc c'était un livre vraiment très très bien, un petit peu émouvant quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je vous en ai déjà trop dit pour ce livre aussi. Franchement, si vous voulez une lecture, vous mettre à la lecture jeunesse, hein, c'est plutôt bien et il y a quand même pas mal de choses inattendues dans ce petit livre avec Jude, 13 ans. Voilà. Ensuite, j'ai lu Rouge Bonbon de Cathy Cassidy. Donc, j'ai oublié de vous dire, ce sont des livres de 200. Combien il y a de pages? Ah, bah, c'est pas marqué. C'est pas marqué le nombre de pages. Environ 200 pages. Ça s'arrête à 241. Ah oui, parce qu'il y a les extraits du prochain roman qui va sortir au mois d'octobre, Les 5 lettres du moqueur. Voilà, bon, les romans jeunesse, c'est pas à lire tout le temps, hein. C'est vraiment pour couper entre quelque chose, mettons un thriller. Faut pas lire ça tout le temps, enfin, moi pour ma part. Pour les ados, ça c'est l'idéal, mais pour d'autres âges, c'est à lire de temps en temps. Alors, le deuxième, donc c'est Rouge Bonbon de Cathy Cassidy. J'adore en plus les couvertures. Je m'appelle Scarlett, mon âge 12 ans, je suis perdue et en colère. Mon style piercing, cheveux rouges, j'aime faire le contraire de ce qu'on attend de moi. Je déteste mon père depuis qu'il est parti. Mon problème, ma mère qui pense que m'envoyer vivre chez lui est la meilleure solution. Donc c'est Scarlett qui est assez provocatrice parce que son père, là, enfin, son père est parti. Parce qu'il a rencontré une autre femme. Donc elle est devenue rebelle, elle en fait un peu qu'à sa tête, elle se teint les cheveux en rouge, elle met des piercings. Dernièrement, sa mère a découvert qu'elle s'était mis un piercing sur la langue. Elle s'est fait renvoyer deux fois du collège, j'allais dire du lycée, mais non du collège. Donc là, la coupe est pleine, elle se fait renvoyer une autre fois du collège. Donc sa mère est obligée donc de travailler très dur pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes les deux, quoi, à leurs besoins. Donc là, sa mère ne sait plus quoi faire avec elle, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa fille, parce que de nouveau, le collège ne veut plus d'elle parce qu'elle a été trop loin dans cette histoire. Voilà. Donc je crois qu'elle s'est battue, si je me souviens bien, et donc elle n'a pas d'autre solution que d'envoyer sa fille vivre chez son père, qui je crois est en Écosse. Si je ne me trompe pas, je relis parce que ça date depuis un mois que je l'ai fini. J'avais commencé début août. Donc elle n'a pas d'autre choix. Elle a essayé de l'envoyer chez sa grand-mère, mais ça n'a pas été. Chez sa tante aussi, elle a essayé chez plusieurs personnes et à chaque fois ça va pas du tout. Donc là, elle s'est dit, écoute, c'est pas possible, tu vas aller chez ton père, je crois qu'il est en Écosse, je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, elle se dirige donc en Écosse chez son père, donc ça va totalement la changer. Et là, elle apprend que son père va se remarier, ou il s'est déjà marié. Enfin bref, elle va apprendre que la compagne de son père attend un bébé,
Et donc, évidemment, elle va se révolter. En plus, la compagne de son père a une autre petite fille qui se prend tout de suite d'amitié pour donc Scarlett. Donc, il va y avoir pas mal de rebondissements avec son père. Ça va être vraiment chaotique car elle lui pardonne pas le fait qu'il soit parti, qu'il l'a laissé tout seul avec sa mère. Voilà. Donc, je vais pas vous spoiler plus l'histoire, mais c'est vraiment, ce sont vraiment des lectures très très sympathiques à lire. Moi, j'aime beaucoup les lectures jeunesse. J'en lis de temps en temps, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, donc j'ai lu pas mal hein, pendant les vacances. Bon, à chaque fois, là, ce sont des petits livres, à part le Millennium que je vous avais présenté. Ensuite, j'ai lu Emily Blaine, Colloque et Plus. Donc, c'est des éditions Harlequin, j'en ai souvent entendu parler. Ça, je l'avais acheté avant mon départ en vacances. Et celui-ci, je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Je l'ai fini là, la semaine dernière. Donc, comment ça s'appelle? C'est l'histoire de Connor, qui est un jeune homme de 32 ans, qui vit en colocation avec le frère de... Comment elle s'appelle? Ah, je ne sais plus le prénom. Excusez-moi. Avec le frère de Maddy, et le frère de Maddy se prénomme, enfin, Connor. Donc ça démarre comme ça, c'est une jeune fille qui s'appelle Maddy, qui est dans un bar un soir, tout simplement pour boire. Elle a bu un petit peu trop de tequila. Chose inattendue, elle retrouve donc Connor qu'elle ne connaît pas du tout. Donc elle est dans la ville, elle est dans quelle ville déjà? Ça doit être aux États-Unis, je crois, excusez-moi, hein, ça fait un petit moment, enfin ça fait une semaine. Voilà, donc elle se retrouve aux États-Unis, si je ne me trompe pas, pour finir, pour 6 mois pour finir ses études. Voilà, donc elle a 22 ans, elle rencontre Connor, un mec assez dragueur, enfin un homme assez dragueur, plutôt branché, assez beau, etc. Et elle a un petit peu trop consommé de tequila. Et donc comme c'est un dragueur, ben donc il la drague tout simplement. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Maddy et ils vont aller dans sa voiture, etc. Bon, je ne veux pas... Vous voyez très bien ce qu'ils vont faire dans la voiture, voilà. Ensuite... Quelques jours plus tard, elle joint son frère en lui disant « ça y est, je suis arrivée ». Donc, elle est censée vivre chez son frère, excusez-moi, pendant 6 mois. Mais elle ne sait pas, c'est que son frère partage l'appartement avec justement le fameux homme qu'elle a dragué, si on peut dire comme ça, dans le bar où elle a consommé pas mal de tequila. Et là, ça, c'est le choc. Car les deux frères, les deux personnes, donc son frère et Connor, ont tous les deux une sœur respectivement. Lui a une sœur et Connor a une sœur aussi, etc. Donc ils se sont toujours dit qu'ils ne sortiraient jamais avec l'une de leurs sœurs. Voilà. Ouais, admettons que Connor ne sortira jamais avec la sœur de... Je ne sais plus le prénom, justement, excusez-moi. Et donc, ça a été le choc quand il voit que Maddy, la sœur, donc... franchement, je ne me souviens plus de son prénom. Je ne sais plus du tout. De Austin, il me semble, la sœur d'Austin débarque donc. Là, c'est le choc, il se dit « Ah, mais oui, c'est bien elle, etc. » Et il pense que comme elle avait trop trop bu, elle allait peut-être pas le reconnaître, mais si elle le reconnaît. Donc, c'est assez tendu entre tous les deux, mais Connor... En plus, Connor est vraiment...
comment dire, c'est vraiment le dragueur de première. Il ramène tous les soirs une fille, quoi. Tous les soirs, il ramène une nouvelle fille chez lui. Donc ça, Maddy a du mal à supporter. Elle trouve que c'est quand même irrespectueux, etc. Et donc après, eh ben, Connor va ressentir de nouveau une attirance envers Maddy et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'ils se maîtrisent tous les deux car après Connor, donc c'est quelqu'un d'assez, enfin de pas sérieux du tout. Ça m'a dit, elle se dit, j'ai 22 ans, ils ont donc 10 ans d'écart. Et elle se raisonne en disant, bon, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sérieux et lui conseille de justement de rencontrer quelqu'un de bien, etc. Mais dans l'histoire, enfin dans le livre, il va y avoir des évolutions, des rebondissements. Là-dessus, son frère va tomber amoureux d'une autre femme, enfin d'une femme, son frère Amadi, etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc, qu'est-ce que je pense de ce livre? J'avais vu beaucoup de revues sur YouTube sur cette histoire-ci. Et ça m'a fait beaucoup penser à After. C'est quand même assez addictif aussi. J'ai beaucoup aimé After. Mais par moments, c'est un peu je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus. On se sépare, on se remet ensemble, etc. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais il y a quelques moments où ça m'agaçait un petit peu. Je me disais, mais ça tourne un peu en rond, etc. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt un très bon livre. Mais là, il y a une suite, il me semble. Il y a Colloque et rien d'autre. Où justement, il y a les extraits de Colloque et rien d'autre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc. Et celui-ci, par contre, je ne lirai pas la suite. Ce sont d'autres personnages, mais je pense que ce sera le même style d'histoire, un peu je t'aime, moi non plus, on se sépare, on se remet ensemble, c'est pas sérieux, etc. Comme After, j'ai beaucoup aimé After, malgré tout, mais j'ai pas envie de lire la suite. Donc sinon, ça a été un bon livre, mais c'est pas non plus un coup de cœur comme. Ça n'a pas été un coup de cœur, celui-ci, comme l'a été Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en es qu'une. Comme Millennium, où vraiment j'ai acheté le tome 2 tout de suite en vacances parce que franchement j'ai adoré. Donc voilà, ce n'est que mon avis. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue quand même. Malgré que c'était quand même une lecture addictive, mais je trouvais quand même que par moments ça tournait en rond. Voilà. Sinon, actuellement, je suis en train de lire. C'est un emprunt médiathèque aussi. Je suis en train de lire. Depuis 2-3 jours, j'en suis déjà à là, bon, c'est pas beaucoup non plus, j'en suis à 106 pages. C'est Guillaume Musso, La fille de Brooklyn. Voilà, donc c'est un emprunt médiathèque. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc je n'en suis qu'au début, mais c'est un livre assez. On n'a vraiment plus envie de l'acheter, de le lâcher, excusez-moi. C'est vraiment un livre prenant, on a vraiment envie de. On n'a pas envie de s'arrêter. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est mon livre que je lis actuellement. Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer, l'horizon scintillait, c'est là qu'Anna m'a demandé. Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré moi? Malgré tout, pardon. Vous auriez répondu quoi, vous? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans 3 semaines. Bien sûr que je l'aimerais, quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais elle a fouillé dans son sac d'une main fébrile et m'a tendu une photo. Donc, elle lui a montré la photo et lui a dit, c'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levée et je suis partie sans un mot. Lorsque je suis revenue, il était trop tard, Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. Intense, ça c'est vrai, intense et captivant, un cold case aussi addictif
qu'une grande série télévisée. Ça, c'est bien bien vrai. Intrigue diabolique, personnage unique et attachant, suspense de tous les instants avec la fille de Brooklyn. Guillaume Musso signe l'un de ses romans les plus ambitieux et les plus réussis. Alors, à propos de la fille de Brooklyn, il y a une petite citation de Metronews. Un suspense insoutenable. Attention, une fois le roman ouvert, vous ne le lâcherez plus jusqu'à savoir qui est vraiment cette fille de Brooklyn. Nuit blanche en perspective de Mark Fernandez, Metronews. Franchement, c'est vrai, c'est vraiment une lecture captivante. Déjà, quand on sait, pourtant c'est une femme belle, une jeune femme de 25 ans, qui se nomme donc Anna, elle a tout pour elle, elle est douce, elle est belle, elle est toute légère, elle est très très douce, elle a une voix douce, elle adore les enfants, enfin, la femme idéale. Et quand elle montre la photo donc au jeune homme, je ne sais plus son prénom, j'ai du mal avec les prénoms, hein. Raphaël, je crois. Je crois que c'est Raphaël, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ah, Raphaël, une fois qu'elle montre, Anna montre la fameuse, c'est la fameuse photo à Raphaël, là, tout bascule, il est obligé de partir. Car voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur cette photo. C'est vraiment inattendu. J'en suis qu'au début. Vous voyez, j'en suis à 108 pages. Et franchement, il n'y a vraiment rien qu'à 108 pages. Il y a déjà, en 100 pages, déjà même pas en 20 pages, il y a déjà plein de rebondissements, de choses inattendues. Je me demande ce que ça va donner pour la fin, comment on va se terminer, comment on va se dérouler surtout le livre. Parce que le début est vraiment très 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 prometteur. Donc franchement, une très belle lecture en perspective. Là, c'est plutôt une lecture, comme le dit, c'est une intrigue diabolique, personnage unique et attachant, suspense de tous les instants. C'est vrai que c'est vraiment un roman, un livre palpitant, inattendu, c'est vraiment inattendu. C'est vraiment très prenant, on n'a plus envie de fermer le livre. On a envie de lire. Parce que vraiment, c'est vraiment une très belle histoire. Ça ne tourne pas en rond. Ce n'est pas le style de lecture où ça tourne un peu en rond, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, il y a vraiment des rebondissements à chaque instant. Et ça, j'adore ce style de livre. Où d'une page à l'autre, on se dit, ah ça y est, il y a encore quelque chose de nouveau. Et c'est une histoire très prenante. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de suspense et ça j'adore. C'est un peu du même style que, je vais dire, comme vous savez que j'adore Camilla Läckberg. Ça pourrait y ressembler un peu, mais bon, je ne peux pas vous dire plus parce que j'en suis qu'à 108 pages. Hein. J'en suis qu'au début. Mais franchement, cette lecture-ci promet, est assez prometteuse pour ma part. Donc voilà, je vous ai présenté mes lectures. Là, c'était pour le mois d'août. Voilà, dans l'ordre, il y avait celui-ci, ces deux-ci. J'ai fait par ordre de lecture. Voilà, et celui-ci qui était un petit peu décevant malgré tout. Hein, comme je vous ai dit, c'est un peu « Je t'aime moi non plus ». C'est un petit peu décevant quand même, mais ce n'est pas non plus une grosse déception. Hein. Et Guillaume Musso, alors là, pour l'instant, de tous les livres que j'ai lus cet été, c'est « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, le Millennium 2 ». Ensuite, il y a Raphaël Giordano qui est vraiment super. Et pour l'instant, mais j'en suis qu'au début, à voir pour la suite, hein, voir si tout le roman est aussi bien que le début. Et Guillaume Musso qui, pour l'instant, a l'air d'être une lecture assez prometteuse. Donc, voilà pour le mois d'août.
Et puis là, donc c'est plutôt pour le mois de septembre, à 2 jours près. Oui, j'ai dû commencer le 31 août. Donc ça, c'est ma lecture en cours du mois de septembre. Donc je suis contente, j'ai lu pas mal pendant les vacances. J'espère qu'au mois de septembre, bon, je pense au moins finir ce livre aussi, hein, et peut-être commencer à lire un autre livre, j'espère. Eh bien écoutez, voici la deuxième partie de mes lectures de cet été. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!